En juillet 2002, une délégation de membres des tribus Wampanoag, Peco et Narragansett s'est rendue aux Bermudes pour participer à un Reconnection Indian Festival. Sinclair, Brinkey, Tucker, âgé de 80 ans, est l'un des membres fondateurs du Comité indien de l'île de Saint-David, SDIIC, comme le SDINC était à l'origine connu. Il est également l'auteur de « Saint David's Island, Bermude, ses habitants, son histoire et sa culture ».« Ma mère a grandi sur l'île », a déclaré Tucker. « Elle m'a dit qu'elle était Mohawk. Elle m'a toujours dit, n'oublie pas, c'est ton héritage. Vous êtes en partie indien. » Mohawk, selon Murphy et Tucker, était le bermudien péjoratif générique utilisé pour les insulaires de Saint-David. Précisément le territoire caraïbe, j'ai constaté que finalement c'était des gens qui étaient tellement proches de nous que cette vie-là me rappelait beaucoup la vie que je vivais chez mon grand-père, tout ça, très proche de la nature et les mêmes traditions. The Kalinago people have been here, as I said earlier, that they came from South America between Venezuela and Guyana, from the Orinoco region. They came with the culture and the tradition. The herbal medicines, the way they hunted, the way they fish, the way they build their traditional canoes, the handicraft, and they came here and they established themselves in the Caribbean islands. Parce que regardez ou pas son bagage pour monde la terre que au café non union bagage Dominique mais en Dominique ni Kalinago. Tamboula même peut-être oui placé pas mais Tamboula c'est Kalinago qui était c'est Tamboula et les danses là c'est pas même danse là c'est un café national. Mais aussi, quoi, ces costumes-là, c'est pas bien, bien fait, mais ils ont représenté un mode de costume de Kalinago. Et différent. Ils ont une gamme à danser à eux, un mouvement unique qui les a pas dit. On est pour grandir. Grandir ça pour monter à peu tamboula. Tous les deux côtés. Tamboula, toute longueur. Et après, mon gars, pour un petit là. Pour un petit, oui. On est pour un bon coup de zir, même. Ouais. Ça va, oui. Ouais. Ou pas qu'on reste là seulement, regardez. Ouais. Ou qu'on est pas derrière là, ou qu'on regarde comme ça. Ou qu'on est pas devant là, ou qu'on regarde. Les Caraïbes ne se suicidaient pas. Les peuples primitifs ne se suicidaient pas. Ni ici, ni ailleurs. Le suicide, c'est dans le monde moderne qu'on se suicide. Les soucis qu'ils avaient ne les portaient pas au suicide parce que la vie était tellement sacrée qu'ils faisaient des sacrifices avec la vie. Alors ils ne pouvaient pas enlever inutilement la vie. À l'ouest de la Guyane, les rives françaises du Maroni accueillent les Bonis depuis plus de deux siècles.
Ces Guyanais, issus du marronnage, sont établis aujourd'hui dans des villages autour de 4 communes, Maripasoula, Papaichton, Apatou et Saint-Laurent. Les Bonis viennent du Suriname. Au XVIIIe siècle, durant l'esclavage, ils ont fui les traitements atroces infligés aux captifs dans les plantations par les colons hollandais. Contrairement aux autres communautés maronnes, Duka ou Saramaka, les Bonis n'ont pas signé de traité de paix avec les puissances coloniales. Ils ont choisi la guerre, continuant à libérer d'autres esclaves. Parmi les chefs rebelles, Boni laissera son nom à ce nouveau peuple. Traqués, parfois massacrés, ces guerriers ont dû se cacher pendant des décennies dans la forêt. Ils ont créé une société constituée d'hommes et de femmes avec un héritage culturel et spirituel sur des bases amérindiennes. Papaichton. La commune est le lieu de résidence du Grand Man, le chef spirituel des Boni. Elle a le statut de capitale du pays Boni. Je suis de la 6e génération des Téléman, côté paternel. J'ai fait 17 ans de recherche sur la symbolique et l'origine et toutes sortes de choses en relation avec l'art Témbé. Ça m'a permis de rassembler un peu plus de 148 symboles qui ont approximativement les mêmes définitions dans toutes les communautés bushiningué en fait. Ça vient d'Afrique? Mais tous ces entrelacements, je n'y vois pas, j'ai cherché un peu, je ne vois pas de traces de ça en Afrique. Rickman et les membres de son groupe ont revêtu leur pangui, vêtements traditionnels noir-marron. Tout le village est réuni pour recevoir les Guyanais, des retrouvailles festives pour demander pardon. Mais le moment fort, c'est le bain dans le Bodo, la rivière de Kanga-Nyanze. Ceux qui le souhaitent sont purifiés. Le cours d'eau aurait des vertus mystiques. Et c'est ici même que les habitants du village lavaient les captifs en partance pour les colonies. Un moment douloureux pour Rickman. Ils ont aidé les négriers à faire partir les noirs, les autres noirs, leurs frères et sœurs dans les bateaux. Et mon esprit n'acceptait pas ça. Donc ma tête bougeait comme quoi il n'acceptait pas la purification. Il n'acceptait pas la purification, il n'acceptait pas. Mais quand le tambour jouait, je ressentais déjà qu'il y avait quelque chose qui voulait se manifester. L'esprit attendu qu'on arrive près du fleuve pour se manifester en fait. Et l'esprit des anciens qui n'a pas voulu, voilà, mais... C'est une très bonne chose ce qu'ils ont fait là, à vouloir demander pardon, parce que nous pourrons nous réunir et discuter ensemble et avancer entre les Noirs d'ici et les Noirs de l'Amérique du Sud et un peu partout dans le monde. Les guerriers Garifuna, les Kalinago, quoi, les Black Caraïbes. Donc, on appelle les danses des Garifuna, là, les danses guerrières rituelles, soit les Wanaragua. Et donc, ce sont des gens en 1794, ils étaient en guerre avec les Anglais dans les Antilles. Les Anglais ont trahi le contrat, tous les traités qu'ils ont fait avec les Amérindiens, de toute façon, ils les ont trahis. Et donc, ils ont été expulsés, exilés. Ils sont partis de l'île de Saint-Vincent et sont allés se réfugier Honduras et au Belize, donc sur la côte caraïbéenne du continental, quoi. Alors, cette tradition de lutte, Omar, pour la liberté est illustrée par les nègres marrons, justement, puisqu'on parle des nègres marrons qui ont refusé d'être esclaves et qui se sont battus pour cela. Dès le départ. Dès le départ. Ceux-là qui, le mot marron d'ailleurs, qui s'inspire donc du mot cimarron en espagnol, n'est-ce pas, que tu connais bien ça, qui parle des animaux sauvages, n'est-ce pas? C'est ceux-là qui ont pris les armes, qui ont refusé tout de suite et qui sont allés se réfugier dans les montagnes. Oui. Première insurrection en 1522, qui a duré 7 ans en Haïti, à Saint-Domingue, qui a détruit les propriétés de l'amiral Diego Colomb, donc fils de Christophe Colomb.
après la donc révolte après laquelle d'ailleurs le roi d'Espagne avait interdit l'importation de ces esclaves. Eux, on appelait aussi les Siboney, les marrons. Donc ils ont ces danses guerrières, tu vois. En Amérique, il y a les nègres marrons donc d'Haïti, oui. Alors, ceux d'Amérique centrale, oui. Ceux du Brésil, oui, la Rue de Palmares. Est-ce qu'ils ont joué un rôle déterminant dans, Absolument. Hein? Ceux du Brésil ont tenu tête aux esclavagistes portugais de 1630 à 1698, avec Zumbi. Donc l'université Zumbi qui a été ouverte en 2003 pour permettre aux Afro-Brésiliens d'avoir plus facilement accès aux études. C'est en hommage à Zumbi qui était le roi de la République de Palmares. Il y a, de 1690 à 1743 en Jamaïque, la révolte des Maroons, parce que marron en français se dit Maroons en anglais, n'est-ce pas? Cette révolte dirigée par des nègres marrons, dirigée par une femme, Nani. Mais voilà, ils sont partis de Saint-Vincent, dans les Caraïbes. Alors, selon la légende de la tradition orale Garifuna, la femme d'un légendaire chef Garifuna, Satouyé, son mari pour ne pas avoir été assez un homme dans la vengeance contre les Britanniques qui avaient envahi leur communauté et qui avaient brûlé leurs champs de cassave. Elle dit, on va être obligé de s'habiller comme des hommes et de se battre contre les Britanniques. Pendant que les hommes, vous mettrez des habits de femmes que tu fais. Que fuir à chaque fois que les Britanniques viennent près de notre village. Alors, en réponse, le chef répond à sa femme Barouda une stratégie où les Garifuna se déguiseraient eux-mêmes en habits de femme. Les Britanniques, donc, sans être préparés, ne s'attendant pas à ce que y ait une résistance des hommes, penseraient que il n'y aurait que des femmes qui sont dans les maisons du village. Les guerriers hommes prendraient l'assaut intelligemment, berner les Britanniques. Mais le traité qui a été signé en 1794, je vous dis, a été trahi et ils sont allés se réfugier au Honduras. Mais ils sont des îles de Saint-Vincent. Et ils sont effectivement des peuples amérindiens qui sont noirs. Ils sont noirs. Et leur danse est très similaire en Guadeloupe comme le Groca. Voilà. On y retrouve les pas du Groca. Mais les danses Wanaragua. On voit bien que c'est des danses amérindiennes. Il y a peut-être un apport africain, parce que beaucoup d'Africains qui marronnaient allaient se réfugier juste les Garifuna. Parmi les nègres marrons, qui ont été les pivots de l'insurrection haïtienne après la trêve de 1801, donc après, avant les batailles finales qui ont chassé Napoléon, ceux qui n'ont jamais déposé les armes, n'est-ce pas? Yeah.
Ne suffit pas pour apprendre.